regardes à gauche et à droite sans bouger ta tête, juste avec tes yeux. Mais tu vas voir ton nez. Et tout le monde en faisant ça va voir son nez. C'est la preuve irréfutable que dans notre corps, il y a quelqu'un. Donc deux entités distinctes, un corps et un quelqu'un. Le corps, c'est quelque chose de faible. Quand tu le laisses au soleil, il brûle. Quand tu le laisses au froid, il gèle. Quand tu l'échappes, il se brise. Fait qu'il y a besoin de quelqu'un pour se faire diriger. Il y a besoin de ce quelqu'un-là. Parce que le corps, c'est faible. Le problème, c'est qu'il faut protéger le quelqu'un. Parce que si le quelqu'un se brise, il ne reste plus rien. C'est pour ça que moi, j'utilise la bêtise, la stupidité. Ça permet à ce quelqu'un-là de s'évader de la situation qui est parfois difficile, comme présentement, quand on roule dans 30 cm de neige, qu'on manque de nourriture, qu'on a froid. Si on veut pas que le quelqu'un brise, faut le mettre dans des douillettes, le chouchouter, qui lui permettent de s'évader de la situation. Alors, longue vie à la stupidité, à l'ignorance, à la connerie, à la bêtise. Longue vie à l'adolescent.